ça nous fait super plaisir d'être accueillis ce soir au Magasin Généraux. Pour la petite anecdote, il y a quelques années, dans le cadre du Festival Paris Hip-Hop, puisque là c'est Yannick, voilà, qui est un des fondateurs du Festival Paris Hip-Hop, l'association Hip-Hop Citoyen qui porte le festival, qui co-organise la conférence ce soir. Pour la petite anecdote, il y a quelques années, avant que le BETC reprenne le bâtiment, le recustomise de façon un peu techno, là, ce bâtiment en fait était un lieu de graffiti un peu sauvage, voilà, sur le canal, et donc c'est sympa, mais maintenant on est dans un nouveau cadre, c'est sympa aussi de nous accueillir, donc on remercie le BETC, on remercie aussi Florian, voilà, de l'équipe Backpackers, qui a imaginé cette conférence. C'était un plaisir pour nous de l'accueillir au sein du Festival Paris Hip Hop, puisque au départ, cette conférence, vous allez recevoir un petit mail, pour ceux qui s'étaient déjà inscrits, c'était dans le cadre du Festival Paris Hip Hop Winter, en décembre dernier, puisque nous, le festival aujourd'hui, pour ceux qui suivent l'actu hip hop depuis 2006 maintenant, le Festival Paris Hip Hop, c'était 15 jours il y a, depuis 2006, et ça s'est scindé en deux. Le Paris Pop l'été et le Paris Pop Winter l'hiver, avec l'hiver et plus sur le côté émergence musicale, campus, réflexion. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on essaie de positionner de plus en plus les conférences, les échanges sur le Paris Pop Winter. Voilà, qui peuvent tous mettre en place sur l'hiver. Alors on a décidé de positionner et on est ravis en tout cas d'être accueillis par le BETC. On remercie aussi l'équipe de Backpackers et tous nos partenaires du festival. Donc, ben, on vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci à toi, Louis. Merci beaucoup. Ouais, bonsoir à tous. Un grand merci d'être ici. Tant vous êtes nombreux. Merci d'être venus jusqu'au Magasin Généraux, d'avoir fait le déplacement jusqu'à Pantin. J'espère que vous avez pu profiter de la magnifique vue sur le canal. En tout cas, moi je suis très content d'être avec vous ici pour parler de ce sujet qui me tient à cœur, qui est donc le hip-hop et la pub. Je m'appelle Florian Perraudin-Houssard, je suis consultant, chef de projet et journaliste chez Backpackers. Backpackers, qu'est-ce que c'est? C'est un média rap qu'on a créé avec quelques amis il y a 5 ans et que je co-dirige aujourd'hui. Je leur passe le bonjour d'ailleurs. Et en gros, Backpackers, c'est surtout un média qui est axé sur la découverte anglophone et francophone. On est une vingtaine de journalistes aujourd'hui à bosser pour ce média, sans compter les photographes, vidéastes, designers web. Donc voilà un petit peu. Si vous voulez aller faire un tour sur le site, c'est à cette adresse. N'hésitez pas à y faire un tour. En tout cas, juste pour revenir un petit peu sur ce qui moi m'a amené à faire ça. Donc à la base, moi j'ai un parcours dans le marketing et la communication. Pendant 4 ans, j'ai travaillé à la fois en agence et chez l'annonceur. Et toujours en lien entre la créativité, l'entertainment et les marques. Et ma dernière expérience professionnelle était chez Sixième Son, qui est une agence de design sonore, de branding musical. Et quand je suis arrivé dans cette agence, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que sur les 350 clients avec lesquels on avait travaillé au fil des années, donc sur une vingtaine d'années, quasiment aucune identité sonore créée pour des marques, donc on parle de musique créée sur mesure, pas de chansons du commerce réutilisées, ne portait à proprement parler des signes, aucune trace de hip-hop dans ces 350 identités sonores. Pardon. Donc je me suis posé la question, est-ce que le hip-hop en pub a des caractéristiques qui le rendent incompatible avec la publicité, à quoi est due cette espèce de dichotomie. Ça m'a amené à écrire plusieurs articles pour le magazine L'ADN, qui est un magazine d'innovation et de marketing, dans lesquels je me suis posé ces questions-là. La question du rapprochement entre une pop et pub. Et suite à ces articles, j'ai eu envie de porter ce débat-là dans la sphère publique, d'en parler avec les gens qui font cette culture-là, les gens qui travaillent dans la pub, les gens qui travaillent dans la musique, et de pouvoir en savoir un peu plus alors que le hip-hop est en train de prendre une ampleur assez dingue et qui a été inégalée jusqu'à maintenant.
Donc voilà, il y a eu une première conférence qui a été faite à la place, il y a un an, dans laquelle je posais cette question, est-ce que le hip-hop et la pub, c'est une histoire d'amour interdit, un amour qu'on peut pas finalement, qu'on n'ose pas vraiment dire, alors que pourtant hip-hop et pub sont en permanence associés. Et après avoir un petit peu célébré d'une certaine façon l'union entre hip-hop et pub, expliqué que c'était des choses qui pouvaient tout à fait coïncider, qui étaient faites pour s'entendre, j'ai eu envie de, un an après, faire un point à date, savoir où en sont ce couple hip-hop et pub. Est-ce qu'ils vivent une lune de miel idyllique et tout se passe bien parce que le rap fonctionne et les marques se l'approprient de manière correcte, en respectant ce genre, en lui donnant toute la place qu'il mérite? Ou est-ce que, au contraire, c'est pas un mariage qui a été forcé parce que hâté par les chiffres du streaming qui sont aujourd'hui, qui font que ce genre est prépondérant dans l'industrie du disque? Voilà, c'est la question que je voulais poser aujourd'hui. Comment ça va se passer? Concrètement, je vais parler pendant 20 minutes et ensuite je demanderai à plusieurs intervenants du monde de la musique, des marques et des agences de com de venir me rejoindre sur le plateau pour une table ronde de 40 minutes. Et puis ensuite, on gardera une demi-heure pour pouvoir écouter vos questions, que vous puissiez aussi éventuellement vous donner votre avis. Je pense qu'il y a pas mal de, je crois qu'il y a pas mal de pros également dans la salle. Donc voilà, si vous voulez intervenir, donner votre avis sur le sujet, ça sera avec grand plaisir et on va essayer de faire en sorte que cet échange soit le plus dynamique possible. En gros, le hip-hop en bref, juste pour revenir simplement sur ce qu'on définit comme étant hip-hop ou n'étant pas. Je ne vais pas vous refaire tout l'historique, mais bon, je pense que la plupart des gens qui sont ici le savent. Une culture afro-américaine, latino et caribéenne, qui est née dans les années 70, dans le Bronx, à New York. Les trois rois mages du hip-hop, qui sont DJ Kool Herc, Grandmaster Flash, Afrika Bambaataa. Un genre musical basé sur la technique du sampling, le fait d'utiliser des samples de soul, de funk, etc. Le fait d'avoir inventé une façon nouvelle de créer de la musique avec les scratchs, avec le cutting, le fait de pouvoir réutiliser des échantillons et de les réinterpréter pour en faire quelque chose de différent. Donc une culture, simplement pour résumer, qui est basée sur la débrouille avant tout. Et également quelque chose que j'avais envie de souligner dès le début, un style qui est à la fois revendicatif et à la fois festif. C'est quelque chose qu'on a parfois un peu tendance à oublier en France, parce que le style qui a été le plus mis en avant est justement cet aspect très revendicatif. Mais ce que je voulais simplement rappeler en introduction, c'est que parmi les premiers morceaux de rap, on a d'un côté Grandmaster Flash avec The Message en 82, qui a forcément eu un impact énorme. Un titre qui dénonce la difficulté de la rue, qui interpelle les pouvoirs publics, qui laisse le Bronx dans un état complètement délabré. Et d'un autre côté, on a aussi, parmi les premiers titres qui ont été, même un des premiers titres qui a été sorti en radio, je pense à Sugar Hill Gang avec Rapper's Delight, qui est sorti donc en 79. Et qui, à l'inverse, était pour le coup quelque chose de très festif, quelque chose qui passait bien à la télé, qui était encore énormément dans la veine du disco, et qui en tout cas était un peu l'emblème de ce côté, le hip-hop pour faire la fête et pour s'amuser. Pourquoi je dis ça? Parce que ce qu'on a tendance à oublier, c'est que le hip-hop est forcément quelque chose de revendicatif, et donc quelque chose de non commercial, et donc quelque chose qui, par essence, ne peut pas être affilié à la pub. Ce qui est au final plutôt faux, et on va le voir dans les minutes qui viennent. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, pour juste retracer vraiment très très brièvement l'histoire du hip-hop, et notamment dans la manière dont il est perçu aujourd'hui, c'est que à partir des années 90-80, on commence à avoir d'énormes superstars qui démocratisent ce mouvement, qui vont le faire traverser la Manche, traverser les continents, traverser l'Atlantique plutôt, parce que... En tout cas, traverser les différents continents, et je pense à deux personnes en particulier. Je pense à Will Smith, par exemple,
avec son titre Miami et la série Le Prince de Bel-Air qui avait une connotation hip-hop extrêmement forte. Et je pense évidemment à Eminem qui a en grande partie contribué à faire rentrer le rap, notamment dans les foyers blancs, puisque comme on l'a vu, c'était quand même à la base d'une culture latino-caribéenne et plutôt afro-américaine. Et puis, petit à petit, le hip-hop est devenu ce qu'il est aujourd'hui, à savoir un genre complètement protéiforme. Quand on me demande souvent, est-ce que quand quelqu'un, un artiste qui rappe sur un beat, future beat ou sur la house, est-ce que c'est du rap? À chaque fois, je réponds oui, en fait. C'est-à-dire que pour moi, l'élément caractéristique du rap et ce qui fait qu'on va le mettre dans la case rap ou pas, et je pense que c'est important dans les échanges qu'on va pouvoir avoir ensuite, c'est le flow, c'est ce phrasé spécifique au rap qu'on retrouve cette façon de scander les mots. Et juste pour le délimiter un petit peu mieux, si je devais donner des limites au rap, et en tout cas dans le cadre de ce débat qu'on va avoir, j'aurais tendance à dire que, disons qu'en amont du rap, il y avait le spoken word, qui est donc un de ses ancêtres, et qu'on appelle en France le slam. Et en aval, on a aujourd'hui ce qu'on appelle la pop urbaine, où certains artistes, pour moi, commencent à s'éloigner énormément de ce qu'est le rap à la base, gardent une connotation, ce qu'on appelle effectivement urbaine, donc un mot qui est un peu un gros mot, mais je pense que c'est juste important de rappeler ce truc-là. Par exemple, un artiste comme Eddie Depreto, pour moi, c'est évident que c'est influencé par le rap, mais je ne le mets pas dans la catégorie rap. Voilà, c'est juste pour définir les termes du débat et savoir de quels artistes on va parler quand on parle de rap aujourd'hui. Et donc tout ça permet disons qu'aujourd'hui il y a un nouvel âge d'or du rap, il y a du rap pour absolument tout le monde, que ce soit aux US, que ce soit en France, on peut avoir le succès d'un Niska comme d'un Lompal, aux US on peut avoir le succès d'un Migos par exemple, ou d'un Childish Gambino. Donc les spectres entre les sous-genres sont en train de s'élargir énormément. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, le rap n'a jamais été autant en lumière depuis les 40 ans qu'il est né, en fait. Aujourd'hui, au-delà de la musique, qu'est-ce qu'on observe? C'est que donc, le rap, finalement, je pense que si vous êtes ici, c'est parce que vous avez dû voir passer énormément de titres d'articles de journaux qui le disent déjà. Le rap et la nouvelle pop, c'est un phénomène de société. On le voit par énormément de facteurs. Le premier, c'est à quel point on fait des références, c'est omniprésent dans le langage quotidien, en fait. C'est-à-dire que la moitié des mots qu'on utilise couramment sont du verlan et extraits d'une chanson de rap, etc. Donc c'est des références qu'on fait en permanence. Quelque chose également, c'est l'importance qu'il a aujourd'hui dans la politique et dans le sport. Par exemple, en France, on peut penser à Paul Pogba qui refaisait les tapes de Migos, on peut penser à Griezmann qui refaisait les moves de Hotline Bling, de Drake. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est complètement assimilé, qui fait partie d'une culture plus globale, d'une pop culture plus globale. Et pareil dans la politique. Et ça remonte pas, ça remonte déjà à longtemps. Déjà en 2008, on commençait à qualifier la présidence de Sarkozy de bling bling, donc juste au passage un terme inventé par Lil Wayne quand même. Donc il y avait déjà du chemin qui avait été parcouru. Donc voilà, et aujourd'hui on voit que donc, non seulement le rap est partout, mais en plus de ça, il commence à infiltrer des strates de la société dans lesquelles on le voyait, disons, moins avant. Quand on voit Kendrick Lamar qui est invité par Obama à la Maison Blanche, quand on voit un peu plus récemment Monsieur West qui s'invite chez Donald Trump, on voit à quel point le rap est partout. Le fait aussi de voir Jay-Z et Beyoncé qui clipent Ape Shit au Louvre, mine de rien, c'est aussi un symbole fort. C'est-à-dire que le rap est présent dans des symboles de pouvoir, dans des lieux de savoir, des lieux de culture. Et ça, c'est quelque chose qui, disons, si ça existait avant, n'était pas autant aux yeux de tous. Au-delà de ces considérations, qu'on va dire plutôt sociales ou sociétales, quelque chose qui est important aussi, c'est qu'en 2017, le streaming en France devient la première source de revenus pour la musique enregistrée.
Pourquoi le streaming est important? On en parle de plus en plus. C'est parce que aujourd'hui, donc, le hip-hop en fait représente 65% de la musique qui est streamée, en tout cas en France. Donc, ça, c'est selon le baromètre du MOVE qui a fait en 2018 un baromètre sur le hip-hop avec l'IRMA et l'IFOP. Et donc, on se rend compte que le lien entre streaming et rap est extrêmement important. Donc un Français sur deux écoute aujourd'hui la musique en streaming, or plus de la moitié de la musique streamée est du rap. Ce qu'il faut savoir, c'est que au-delà du streaming, il y a également un deuxième phénomène qui a propulsé le rap, ou en tout cas qui a tendance à le surpondérer dans la vision qu'on en a actuellement, c'est que en 2016, la RIAA et la SNEP, donc aux États-Unis et en France, se sont mis à comptabiliser le streaming dans les certifications d'albums. Les certifications d'albums, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui définit si un disque va être disque d'or, disque de diamant, disque de platine. Et ce qu'on voit, c'est que à partir du moment où le streaming est intégré dans les certifications d'albums, très logiquement, le rap acquiert une place qu'il n'avait pas jusqu'à maintenant. Donc on se retrouve avec, en 2018 en France, les trois quarts des albums certifiés qui sont des albums de rap. Je crois que de mémoire, il y a 36 albums ou 37 albums certifiés en 2018 et 26 qui sont des albums de rap. Donc voilà, on est à 70% pour être exact et à contre 50% l'an dernier. Donc non seulement le rap a une place très importante dans le nombre d'albums certifiés, mais ce sont des chiffres qui évoluent extrêmement vite. C'est ça qu'il faut avoir en tête aussi. Et c'est la même chose sur le streaming, c'est-à-dire que le rap prend de plus en plus de place dans le streaming prend de plus en plus de place dans la musique. Donc c'est des effets d'entraînement qui sont extrêmement forts. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que en 2018, on a cette certification, elle concerne différents types d'artistes, c'est-à-dire que dans le palmarès des albums les plus certifiés, des disques d'or, etc., on va retrouver des artistes aussi divers que des Lampal, des Big Flo et Oli par exemple, mais aussi des Niska, des Damso. Donc on a en plus un équilibre qui s'opère. Équilibre qui, à l'inverse, n'est pas encore tellement représentatif de célébrations comme les Victoires de la Musique. On voit que voilà, en 2018, le palmarès et le palmarès des Victoires de la Musique, ça a été énormément reproché. Comporte principalement du rap qui a été pas mal défrié pour parler uniquement à un public blanc, par exemple, donc Big Flo et Oli, Gaël Faye, etc. On voit qu'il y a un effort qui a été fait cette année, qui n'est pas forcément encore au niveau de ce qu'on peut attendre, mais dans les nominés, en tout cas, on peut retrouver des artistes un peu plus street. Je pense à Noël Squal, je pense à Aya Nakamura, par exemple. Donc, on voit que c'est quelque chose qui progresse très vite. Rien que d'une année sur l'autre, la manière dont l'industrie du disque et des institutions qui ne sont pas forcément hip-hop, à savoir les Victoires de la Musique, ont pris conscience de quelque chose qui n'existait pas, enfin, dont on n'avait pas conscience jusque-là, en tout cas. Enfin, je pense que c'est important de rappeler à quel point les clichés sur le rap sont tenaces en France quand on parle d'utiliser du rap dans une publicité. Les gens qui travaillent en agence, je pense que c'est une problématique qu'ils connaissent très très bien. C'est-à-dire que les premiers clichés qui viennent encore à la bouche 40 ans après sont ouais, ça reste un genre vulgaire, c'est violent, c'est misogyne. Alors, il y a plein de choses qui prouvent qu'on progresse sur ces points-là. Rien que sur l'aspect misogyne, on a de plus en plus d'artistes féminines dans le rap, c'est quelque chose dont on peut se féliciter. On a aux États-Unis une Cardi B qui va réussir à placer un single au top des charts pour la première fois, donc première artiste féminine depuis 1998 avec Lauryn Hill, donc un symbole assez fort. En France, on a une Aya Nakamura, même si pour le coup j'aurais peut-être tendance à la mettre un peu dans pop urbaine. Les limites sont. On en débattra après, on pourrait donner votre avis librement. Mais en tout cas, une artiste c'est ce qui manquait en France. Une artiste féminine forte qui puisse faire l'unanimité autant au niveau des ventes que du retentissement de sa musique. Ce qu'on voit aussi, c'est que malgré tout ça, les médias généralistes ont encore un peu du mal à comprendre le phénomène. Il y a beaucoup, beaucoup de,
d'occasion par lesquelles on peut voir que la condescendance et le mépris de classe sont encore de mise des années après le début du hip-hop. Il n'y a qu'à voir à quel point l'affaire Boubacari a été montée en épingle tout l'été. Je pense également à moi, quelque chose qui m'a fait énormément réagir, c'est l'hymne des Diables Rouges qu'avait composé Damso, donc pour l'équipe officielle de la Belgique, et qui a été refusé parce que certaines associations, certains acteurs ont justement reproché le côté misogyne, le côté violent de ces textes, etc. Donc c'est quelque chose qui, visiblement, est encore très prégnant. Moi, il y a un an, quand j'ai donné ma première conférence, je pensais clairement que ce genre de choses était derrière nous. Ça prouve que bon, il y a encore des effets d'inertie assez forts. Pour ce qui est de la partie vulgaire, je pense aussi que la société commence à comprendre que les rappeurs sont quand même les nouveaux poètes. Je pense que on commence à comprendre aussi le caractère fictionnel du rap, comprendre que c'est quelque chose qui peut se vivre autrement que premier degré et que les paroles n'ont pas forcément la portée qu'on peut leur attribuer. Et puis enfin, quelque chose qui également est plutôt rassurant, c'est de voir que petit à petit les frontières entre les genres sont en train de tomber, de s'effacer, notamment dans la manière dont ces genres sont traités. Je pense à une initiative en particulier, c'est le hip-hop symphonique, qui est une initiative d'Issam Krimi, un compositeur, et qui a permis de faire rentrer le hip-hop avec des artistes vraiment de Solar à IAM, jusqu'à Lino ou Tossé, par exemple, à l'auditorium de Radio France, donc dans un cadre normalement réservé à la musique qui est très normée, la musique classique, ce genre de musique-là. Donc je pense que c'est aussi un des symboles forts qui montre que malgré cette présence des clichés, on est en train, depuis environ un an et demi, de passer un cap. Ensuite, une fois qu'on a parlé un petit peu du hip-hop et de ce qu'il est aujourd'hui, je pense que c'est important de faire un rappel sur les liens entre hip-hop et marque. À savoir, d'un côté, comment le hip-hop s'est attribué les marques et qu'est-ce qu'il en a fait, quels symboles elles ont pour ces artistes. Et puis d'un autre côté, comment les marques se sont appropriées le travail des artistes et sont allées les chercher. Ce qui est important de rappeler, c'est que le hip-hop est quand même très lié à un esprit d'autopromo, de sens de la débrouille. Le hustle, ça reste quelque chose d'extrêmement important dans le hip-hop. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le hip-hop a commencé dans les années 80, et les années 80, si c'est le début du hip-hop, c'est également l'âge d'or de la publicité. Donc dès les années 80, dès 83-86, on a commencé à avoir des marques qui sont allées chercher les rappeurs et pour se dire « Ah tiens, il y a quelque chose à faire, on veut toucher une certaine partie de la population ». C'est un sujet à part entière, mais c'est ce qu'on appelle le marketing ethnique. Et qui se sont dit « Ok, là il y a une démographie intéressante, il y a un style de musique qui parle à certaines personnes ». Et on a envie d'aller les chercher. Je pense à deux marques en particulier qui sont donc Sprite, qui a fait jouer Curtis Blow dans une pub des 86, où il vantait les mérites de la petite canette verte avec une pub de télé vraiment assez basique, quoi. On en était encore là au niveau de la publicité. Et puis je pense à quelque chose qui s'est fait dans l'autre sens, c'est évidemment Adidas avec Run-DMC. Pour la petite histoire, pour ceux qui la connaîtraient pas, Run-DMC et leur manager sortent le son My Adidas. Ils font un concert au Madison Square Garden où ils invitent les représentants de la marque. Et dans un concert au Madison Square Garden devant des milliers de personnes, ils demandent au public de sortir, enfin, d'enlever leurs chaussures, d'enlever leurs baskets Adidas et les mettre en l'air. Et c'est là que les responsables de la marque prennent conscience du potentiel marketing et leur gratifient Run-DMC du premier contrat de sponsoring attribué à une personne extérieure au monde du sport. Donc un moment extrêmement important. Ensuite, quelque chose, pourquoi est-ce que hip-hop et plus ont pu aussi être approchés, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est assez inhérent au rap, qui est la culture du brand dropping, à savoir citer des noms de marques dans les chansons.
C'est quelque chose qui est extrêmement fréquent, qui a en général deux intérêts majeurs. Le premier, c'est de se donner du crédit, dans le cas de marques de luxe, par exemple, ou de développer un sentiment d'appartenance. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des marques qui sont devenues donc, des emblèmes du rap. Je pense à Adidas, je pense à Timberland, par exemple, qui sont cités en permanence. Mais il y a aussi des marques, et notamment des marques de luxe, comme Gucci, comme Fendi, qui sont aussi devenus des emblèmes du mouvement. À ce sujet, est-ce que... Un très bon exemple, c'est Jay-Z, qui lui seul a cité une quinzaine de marques dans toute sa carrière. Est-ce que vous avez la marque, est-ce que vous arriveriez à trouver, pardon, la marque qui est la plus citée par Jay-Z ? C'est du champagne. C'est pas du champagne. C'est pas Hennessy, mais c'est de l'alcool. Non, c'est pas de l'alcool, pardon. C'est pas de l'alcool non plus, pardon. Je dis vite. Voiture. Qui a dit voiture ? Forcément. Comment ? Mercedes, exactement. Ouais. Mercedes, la marque la plus citée par Jay-Z. En gros, dans tous ses albums, il y a une référence à Mercedes-Benz. Donc, entre autres marques, plus ou moins sur la même échelle. Donc, évidemment, du champagne. Je pense aussi à Glock, par exemple. C'est un peu une espèce de. Voilà, ça peut être des armes, du champagne. Bon, c'est cité de manière un petit peu pêle-mêle. Mais en tout cas, c'est la marque qui est la plus citée. Des marques, donc, ce que je disais aussi, c'est effectivement les marques de textile sont donc, omniprésentes. Et en revanche, donc, ce qu'on disait tout à l'heure, l'alcool. Qui, en fait, les liqueurs, les champagnes, etc., qui sont responsables juste à eux seuls. Enfin, en gros, la musique urbaine, c'est 40% de toutes les marques qui sont citées. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que pour certains alcooliers, c'est des choses qui vont pouvoir, des choses auxquelles ils vont pouvoir se référer. Pourquoi ? Parce que non seulement l'alcool est extrêmement présent dans les chansons de rap, mais en plus de ça, il y a certains alcools spécifiquement. C'est-à-dire que tout ce qui est champagne, vodka, tequila, c'est des choses qui vont être extrêmement prisées et extrêmement mises en avant dans les chansons de rap. Là où, par exemple, des styles comme la country ou la pop vont avoir tendance à parler plutôt de whisky ou de bière, par exemple. Une fois qu'on a parlé de ces secteurs-là, forcément, on est obligé d'en venir au luxe et à la mode. Je parlais tout à l'heure donc de marques comme Gucci, comme Fendi, comme Louis Vuitton. Disons qu'au début du hip-hop à Harlem, notamment dans les années 90, il y avait une figure célèbre qui s'appelle Dapper Dan et qui était le roi de la contrefaçon donc à Harlem et qui faisait des vestes avec des imprimés du monogramme Louis Vuitton, des imprimés de Gucci, etc. Et ce qui est très représentatif, c'est que dans les années 90, je crois que c'est en 92 exactement, il a été obligé de fermer ses portes suite à un procès que lui ont intenté ces trois marques-là, donc Louis Vuitton, Gucci et Fendi, si je ne dis pas de bêtises, et qui se sont attaqués à lui parce qu'il reproduisait de manière illégale les monogrammes de ces différentes marques. Ce qui est marrant, c'est de voir qu'en 2018, Gucci a sorti un modèle qui était très proche d'une des vestes qui avait été créée par Dapper Dan. Ça a fait énormément de bruit sur les réseaux sociaux. Et finalement, le directeur artistique de la marque en est venu à lui proposer une collaboration. Ce qui fait qu'en 2018, on s'est retrouvé chez Gucci avec une collection Gucci Dapper Dan. Donc la balance s'est complètement inversée, le poids que ces différents acteurs peuvent jouer s'est inversé. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, la mode qui était extrêmement frileuse vis-à-vis de ces espèces de underdogs qui étaient les rappeurs à la base, est en train en fait de se tourner complètement vers cette street culture et d'en assimiler complètement les codes et même le travail à proprement parler. Un autre exemple, évidemment, c'est Lacoste qui voyait d'un très mauvais œil le fait que les jeunes de banlieue et notamment les rappeurs portent ces ensembles avec un crocodile et qui aujourd'hui font en 2018 une collab avec Moa Lasquale. C'est quand même
la balance s'est complètement inversée. Et puis enfin, ce qu'on voit, c'est que ces rapprochements donnent lieu ou sont facilités par des prises de poste qui sont vraiment emblématiques dans les temples du bon goût à la française. Évidemment, la nomination de Virgil Abloh comme, chez Vuitton est un emblème extrêmement fort. En France, je pense aussi au directeur comme de chez Nike qui est arrivé chez Lacoste. Je pense que c'est pas anodin non plus. Donc voilà, petit à petit, on note une nette évolution à ce niveau-là et la mode en est un emblème. Travis Scott, que ce soit Travis Scott pour Saint Laurent, que ce soit Essaproti pour Dior, aujourd'hui. Entre le monde urbain et le luxe, les frontières sont complètement effacées. Et puis enfin, je pense que quelque chose d'intéressant, c'est de rappeler que les artistes ont une part de plus en plus importante dans le monde du business. Forbes a publié la liste des 30 under 40, donc les jeunes businessmen et les jeunes qui feront en tout cas le monde de demain. On retrouve des artistes comme Lil Uzi Vert, comme Young Thug, je pense qu'il y en a une bonne dizaine. Donc quelque chose de fort. Et bon voilà, ça date pas d'aujourd'hui. Les artistes rap ont très vite compris que la musique pouvait être un produit d'appel pour vendre d'autres choses. Ils n'ont pas attendu les années 2010 pour commencer à construire des empires commerciaux basés sur la musique. Je pense d'un côté. Par exemple, à Dre avec les casques Beats, avec Apple Music. Je pense aussi évidemment à Jay-Z et à Diddy, le premier qui crée donc Roc Nation, une espèce d'empire tentaculaire avec des participations dans le monde du sport, dans le monde de la musique, dans le monde également de l'immobilier. Enfin, voilà, il y a eu énormément de ramifications qui ont été faites. Ou à Diddy avec Combs Enterprise, qui est pareil, une espèce de conglomérat qui comprend énormément de choses avec donc des marques d'alcool, avec un fonds pour l'université, en gros pour donner des bourses à des étudiants. Et puis ce qui est intéressant, c'est que chez Combs Enterprise, donc la boîte de Diddy, il y a aussi une agence de communication. Et je pense que c'est emblématique de la manière dont les artistes vont avoir tendance à de plus en plus prendre la main sur des sujets comme le marketing, en fait. En France, le seul exemple qui pourrait égaler ces artistes-là, ça serait Booba. Et aujourd'hui, je pense que le constat qu'on fait, c'est que dans la manière, en tout cas, dont un artiste comme Booba gère son image par rapport à des artistes comme Jay-Z ou comme Diddy, on a quand même une différence faramineuse. C'est-à-dire que quand on parle des artistes américains, on parle de mecs qui sont identifiés comme des businessmen depuis au moins une dizaine d'années, si ce n'est pas une vingtaine. Alors que de l'autre côté, on est encore à s'amuser d'effets divers et des posts Insta de Booba. Moi, ça me fait me poser des questions. Je me dis, est-ce qu'on est à un stade où certains artistes seraient mûrs pour créer des agences de communication pour s'approprier le sujet de la publicité et de la com. Et honnêtement, j'ai encore quelques doutes. Je pense qu'il y a encore du chemin à faire et on en discutera après. Ce que j'avais envie de vous montrer enfin, c'était quelques pubs hip-hop en 2018. Lors de ma première conférence, j'avais balayé vraiment un benchmark de 150 pubs hip-hop. Là, j'avais envie de faire un point. Ok, qu'est-ce qui s'est passé cette année? Qu'est-ce qu'on a eu? Vous donner juste quelques exemples et ensuite pouvoir avoir plus de temps pour discuter de publicité sur lesquelles on travaillait, mes invités, donner des best cases sur lesquelles on pourra réfléchir un petit peu. Du point de vue de la synchro, déjà, pour catégoriser un peu les différentes pubs, ce qu'on appelle la synchronisation, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est le fait de mettre une musique à l'image, de prendre une chanson et de la mettre sur une pub, ou de créer, d'avoir une création originale, donc une chanson créée de toute pièce pour cette pub, et qu'on va synchroniser avec l'image. Une campagne qui m'a particulièrement marqué, c'est celle d'Apple, qui a fait une,
mettre une musique à l'image, de prendre une chanson et de la mettre sur une pub, ou de créer, d'avoir une création originale, donc une chanson créée de toutes pièces pour cette pub, et qu'on va synchroniser avec l'image. Une campagne qui m'a particulièrement marqué, c'est celle d'Apple, qui a fait une campagne en trois volets, on va dire, avec trois artistes différents, pour promouvoir les capacités de l'iPhone. C'est la fameuse campagne prise photographiée à l'iPhone. Et donc, on a le concept, c'est trois villes, trois artistes, trois sons inédits. Donc on a d'un côté l'homme pâle pour Paris, China pour Lyon et Riff pour Marseille. Et je vous propose de les regarder avant qu'on parle. Donc la première, Paris avec l'homme pâle. Je suis le plus nul en orientation, je fais que me perdre en chemin. La seule chose que je retrouve, c'est la porte de chez moi. Comme la fois où les lampadaires de mon bloc se sont éteints et que bizarrement ça a rendu mes voisins plus humains. Oh chien, regarde, je crois bien qu'on est dans un film. Oh non, y'a plus que nous dans la ville. Oh non, plus que nous dans la ville. Oh non. Voilà pour Paris. Lyon maintenant. Toujours sur mes gardes, je suis la fantasme sauvée. Et la dernière, Marseille avec Riff. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans ces trois pubs? Premièrement, on n'est pas juste sur rechercher donc de la synchro pure. On n'est pas sur de la synchro pure, à savoir rechercher une musique qui pourrait coller avec la pub et l'appliquer sur la publicité. On est vraiment sur de la création à 100%, que ce soit sur la vidéo, donc c'est trois vidéos qui ont été réalisées par Axel Morin. On est sur, donc autant sur la vidéo que sur le son, sur la création à 100%. On a une thématique qui est donnée et qui colle, que ce soit à l'image ou au son. Les trois morceaux sont reliés à la thématique de la ville. Donc il y a vraiment eu, un brief clair des artistes où on leur a demandé de travailler sur un thème. Et ensuite, on leur a permis de s'exprimer de cette manière-là. Je pense que c'est vraiment un des meilleurs voir cette année en termes de créa, et notamment parce que ce qu'on cherche quand on met une musique à l'image, c'est la cohérence, on cherche à créer une émotion. Et là, l'émotion elle est née justement de cette adéquation, le fait que chaque artiste soit très lié à l'histoire de sa ville. Et enfin, une des dernières choses que je remarque, c'est que Apple, en fait, sont assez connus pour aller chercher des choses parfois plus pointues que d'autres annonceurs. Et ce qui est intéressant, c'est que notamment, dans les trois vidéos qu'on a, on a un degré de notoriété qui est très différent. C'est-à-dire qu'on a l'homme pâle qui est donc une superstar qui a complètement explosé l'an dernier. On a Chila qui est signé en major, qui a une notoriété, qui commence à profiter d'une certaine notoriété, mais encore mesurée. Et puis on a Riff, qui est un rappeur qui est signé sur le label Orfèvre. Donc clairement, si on n'écoute pas de rap, c'est difficile d'avoir déjà croisé sa musique. Et pour autant, la qualité des trois vidéos sont égales, ils sont mis en avant avec la même qualité. Donc voilà, une super initiative et qui, je pense, est ce qui s'est fait de mieux en termes de synchronisation. Ensuite, pour parler d'endorsement. Quand on parle d'endorsement, c'est quand un rappeur va vraiment être présent à l'image et historiquement vanter les mérites d'un produit. Ce que j'ai beaucoup vu jusqu'ici, c'est des pubs, un peu cliché de la pub rap. C'est-à-dire qu'on prend les codes, de la culture rap, on les met dans une pub et on crée un univers et on obtient une pub qui claque. C'est ce qui a été fait par Sneakers encore cette année,
où vous allez voir, on est dans un décor, enfin voilà, qui est donc dans le ghetto de Los Angeles, dans une block party où des gens sont en train de freestyler, en train de faire un cypher. Et je voulais montrer tout de suite et on en parlera juste après. Voilà, donc là on a un petit peu l'archétype de la pub hip-hop, c'est quelque chose qu'on a pu beaucoup retrouver, l'école, le cypher, le fait de rapper, etc. Ce qui est bien joué, ce qui est particulièrement bien joué dans cette pub, c'est que Boogie, c'est un artiste qui est en pleine ascension, qui a été signé sur Shady Records, le label d'Eminem. Quand on parle d'aller chercher Elton John dans une pub et qu'on sait que le mec est signé sur le label d'Eminem, c'est aussi un petit clin d'œil au passé de ces deux artistes-là. Donc voilà, c'est ce que j'ai beaucoup eu l'habitude de voir jusqu'à maintenant. Pas forcément avec ce degré de réalisation et ce degré de perfection dans la manière dont c'est fait. Par contre, la tendance que j'ai observée cette année, c'est que le rap, petit à petit, de la même manière qu'il est en train d'infiltrer les différentes strates de la société, devenir un élément de la culture, un élément de notre société, finalement, de manière peut-être un peu plus... plus fondu ou plus discrète. De la même façon, il a tendance à apparaître en pub de manière plus anecdotique. Je pense que c'est une question qu'on pourra se poser notamment au niveau du débat, c'est est-ce qu'aujourd'hui, faire une pub hip-hop comme celle-ci, c'est encore un événement? Je pense qu'en France, par exemple, ça l'est peut-être encore un peu à voir, et encore on peut en débattre. Aux États-Unis, ça l'est plus tellement. C'est-à-dire que des pubs canons avec des rappeurs dedans, on en a depuis 10 ans. Donc j'ai retenu d'autres pubs, je pense que je vais vous montrer celle-ci, qui est une pub d'Amazon pour Alexa, donc pub américaine également, dans laquelle on va retrouver Cardi B. Donc pareil, Cardi B en pleine ascension cette année, une des femmes dans le rap qui a fait le plus parler d'elle, avec un single au top single. Voilà ce que ça donne. In Austin, it's 60 degrees, but it's... Alexa? Amazon's Alexa lost her voice this morning. Alexa lost her voice. How is that even possible? We have the replacements ready, just say the word. Are you sure this is gonna work? Yeah. Alexa, show me a recipe for a grilled cheese sandwich. Pathetic. You're 32 years of age, and you don't know how to make a grilled cheese sandwich. Its name is the recipe, you Alexa, how far is Mars? Oh, how far is Mars? Where am I supposed to go? I've never been there. This guy wanna go to Mars. For what? There's not even oxygen there. Alexa, set the mood. Now setting the mood. You're in the bush, and you're just so dirty, and so sweaty, because it's hot in that bush. Alexa, reboot. Alexa, play some country music. Oh, crap! Don't get it now, I make money moves. No, Alexa, country music. Alexa. Alexa, call Brandon. I'm afraid Brandon is a little tied up. But do let me know if there's anything I can help you with. Jessica? Voilà. Donc superbe pub d'Amazon pour Alexa. Je ne sais pas si Cardi B réussira à remplacer sa voix, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ici,
le rap est juste un élément, c'est-à-dire on retrouve donc des acteurs ou des stand-upers connus comme Anthony Hopkins par exemple, et le rap vient juste compléter un peu le discours. Justement, je parlais de marketing ethnique tout à l'heure, c'est où on retrouve aussi cette espèce de manière de scinder les différentes populations qu'on veut venir toucher. Je pense que c'est un petit peu l'idée ici. Donc voilà, le rap qui est présent en plus, mais peut-être de manière plus diffuse et comme partie d'un tout plutôt que comme le gros concept de la pub. Et enfin, j'avais envie de parler d'une initiative qui est plutôt là de l'ordre de Brain Content, donc on va même parler d'événementiel en fait. Est-ce que vous savez, est-ce que vous arrivez à retrouver la marque qui a fait cet événement? Tinder. Bien vu, on voit un petit. On a de la triche. Hein. Donc effectivement, c'est Tinder qui a fait une initiative que je trouvais hyper intéressante. C'est donc les Tinder Live Sessions. Le concept, donc c'est l'agence Willabar qui a fait ça. Et le concept, c'est de jouer sur le match musical, de rapprocher des univers musicaux ou des artistes. Donc il y a certains. Donc ça, c'était le concert de Romeo Elvis et Swing, où là, pour le coup, on reste sur un univers assez similaire. Les initiatives que j'ai trouvées les plus intéressantes, c'était celles qui ont rapproché l'Homme Pâle et l'Impératrice, par exemple, pour une Tinder Live Session. Ou encore Vendredi sur Mer avec Choke, ça c'était dans le cadre du festival Wheel of Green. Il y avait carrément toute une scène dédiée à cette marque et qui ont mis en avant des artistes et créé justement des rencontres qui étaient inattendues. Donc c'est intelligent, pourquoi? Parce que déjà ça permet de transmettre l'ADN de la marque, ça permet de communiquer sur son produit et sur le bénéfice que son produit procure donc à l'utilisateur, à savoir créer des rencontres parfois inattendues. Et ce concert-là, entre Vendredi sur Mer et Joke, on peut voir un petit extrait de ce que ça donnait. Super initiative en termes de brand content. Donc voilà, c'était pour parler pour sortir un petit peu du sujet simplement publicité télé comme on pouvait l'entendre. Aujourd'hui, utiliser le rap, bien évidemment, l'utilisation du rap en publicité a suivi les usages de la pub qui vont de plus en plus vers ce genre de forme.